Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, dans laquelle on va se faire de la section comblée en zéro construction, sans plus tarder que la chasse au topin commence, Kawabunga. Faut croire qu'on va directement commencer dans les meilleures conditions possibles, étant donné qu'on n'est que 3, bon, ce n'est qu'une habitude au final quand on joue en section comblée, surtout en vidéo, et on a toujours réussi quand même à se débrouiller dans ce genre de situation, donc ça va, je pars pas non plus en mode zéro confiance, mais oh, ça aurait été mieux quand même de commencer à 4, non? Surtout pour la première partie, c'est un peu la game d'échauffe, mais non, ce sera pas en tout cas le luxe qu'on pourra se payer durant cette partie. Ok, ça met direct un ping à Ruin Rills, et bah allons en direction du coup de Ruin Rills, hein. J'avoue que là, pour compenser, même si du coup c'est risqué aussi, mais j'aurais bien voulu choper directement une arme mythique et aller du coup en chercher une bah, dès le début de partie, mais bon. C'est pas à Ruin Rills qu'on pourra le faire, ça c'est qu'une évidence. Alors, j'espère quand même qu'il n'y aura pas trop de monde, hein. Parce que là on est que 3, donc vaut mieux quand même se taper un spawn plutôt tranquille. Ça nous laisse le temps de nous mettre dans la partie en termes de stuff et tout. Et après, bah, que le fight commence, mais bon là, si le fight commence dès le début, faudrait être chanceux un peu quand même aussi, hein. Et il va y avoir du monde, je crois. Bon, faut vite faire la différence, hein. Le problème, c'est que ça dépend pas que de moi, hein. Les alliés peuvent très bien mourir aussi, et ça me mettrait directement dans la sauce également, quoi. Donc, ça qui est délicat. Là, c'est bon. Il y en a un deuxième. En fait, je suis plus en train d'espérer que mes alliés meurent pas que moi, je ne meurs pas. Parce que limite, moi, tu vois, je peux... on va dire me défendre. Je peux me débrouiller. Bon, même si ça dépend des situations, hein. Mais les alliés, je sais pas qu'est-ce qui se passe de leur côté. Là, déjà, on a un moins un. Il est où l'autre allié? Ah ouais, il est de l'autre côté. Donc lui, bon, en tous les cas, il était un peu isolé. Et vu qu'on n'a pas non plus d'avantage, là, pour l'instant, de potions, bon, on va devoir se débrouiller avec 130 PV. Ah mince, putain, il y a un silencieux en plus sur mon arme, j'avais pas tilté. Bon, lui on peut le terminer, même si j'ai un shoot de première partie de la journée. J'ai pas encore dit mon dernier mot, hein. Lui, oulala, mais lui en plus il avait chopé des armes. Je sais pas où il avait chopé tout ça, mais oh, oh, on va en profiter à bon usage. Attention, après il va avoir ses alliés, je pense qu'ils vont... Oh merde. Alors là on est peut-être sur le scénario vraiment catastrophe, hein. Ah, j'ai pas de pompe en plus, hein. J'ai toujours pas de pompe. On va récupérer quand même la plaque de l'allié, mais là il va falloir carry... Et éliminer du coup toutes les menaces. Je crois que par chance du coup il y a encore d'autres joueurs mais qui peuvent se fight, donc je suis pas tout seul, mais ouf, pas sûr non plus. Ok, putain, la Scar là avec son équipement, elle peut me permettre peut-être de m'en sortir à minima. Il en reste forcément encore un autre, hein. Ils étaient deux. Je sais pas où est l'autre. Wow, ouais, surprise, hein, t'es arrivé au... Au moment, toi, hein. Je vais pas dire que c'était le bon moment, mais c'était le moment. Ok. Il y en a encore un. On le shoot. C'est bon? On a fait le ménage? Oh, bordel. Bah, sachant que j'ai 6 kills, et que, bon, bah, du coup, il y avait deux teams, ils se sont peut-être un peu entretués, du coup, il y en avait deux. Ouais, je pense qu'on a fait le ménage. Oh là là, ce début de partie. Eh ben, vraiment, j'ai eu de la chance de récupérer les armes, là, du mec qui nous a tout looté, hein. Parce que, là... Sinon, ça aurait été encore plus délicat. Alors, non, 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 pas ça. Non, je vois qu'il y a le cercle de prime qui est juste à côté. Bon, au moins, on a une chance quand même, c'est que les alliés n'aient pas quitté. Parce que, en vrai, même moi, je pense que ça pourrait arriver de mon côté. Genre, tu meurs comme ça, début de partie, sans rien pouvoir faire. T'as une seule envie de quitter, surtout qu'on est que 3. J'avoue, ça donne pas vraiment envie de continuer. Bon, eux, ils sont restés, donc ça va. On va quand même pouvoir continuer à 3, heureusement. Parce que là, sinon, ça aurait été la descente aux enfers. Mais waouh, la première game déjà ça envoie, hein, du lourd, hein. Ah mais ici on a des pizzas. Oh les pizzas. Elles vont peut-être nous aider. Je pense qu'en plus la prime vient sur nous là, parce que le cercle se rapproche dangereusement là, hein. Bah va falloir être prêt à les recevoir, hein. Bon, il va falloir apparaître que c'est une team de 4, donc... La seule chance qu'on pourrait avoir, ce serait que ce soit des bots. Et en vrai, par pur hasard, les bots pouvaient venir dans notre direction, hein, mais... Oh, j'y crois pas trop, hein. Même en voyant le pseudo comme ça fait pas forcément pseudo de bot. Mais ça pourrait quand même l'être, hein. J'exclus pas ça, mais
Faut essayer de déterminer où ils sont déjà. Ils sont peut-être en contrebas. Ça, je sais, c'est un peu un spawn de bot, hein. Souvent, tu retrouves des bots. Ah, ils sont là-bas, je crois, hein. J'ai vu du monde. Hein. Il y a un truc à tenter, et je sais pas pourquoi, mais je pense finalement que c'est peut-être des bots, hein. Parce que bon, qui en tant que vrai joueur va faire des trous dans un mur pour entrer dans un bâtiment? Personne! Il y a des portes, il y a des fenêtres, même plus. Ah ouais, non, même là, il y a. Ouais, non, c'est des bots. 100% c'est des bots. Et pourtant, là, ils sont trois d'un coup, mais non, non, ça, c'est des bots, c'est sûr. Piouf! On est sauvés. Et ils allaient d'ailleurs au niveau du spot des bots, hein, un peu plus loin au niveau du moulin. Hein. El Famoso. Hein. Il en manque un d'ailleurs, je sais pas où est le quatrième. Mais il doit pas être loin non plus. Ok, bon, ça va leur donner un peu de stuff, ils ont pas tout récupéré comme ça les alliés. Moi en vrai, bon, c'est vrai qu'il y a le pompe à améliorer, mais en dehors de ça, ça va. Hein. On a des petites potions ici en plus supplémentaires. Je pense qu'il y avait un coffre aussi, je sais pas. Ah, il est là. Il est là le coffre. Hein. Bah, l'idéal serait quand même de passer du coup par un coffre-fort. Ouais, je crois qu'il y a un truc à faire à la Vichelaire. Hein. En plus, c'est moi qui chope le pompe là. Je me sentirais bien en confiance, tu vois. Genre, oh, c'est ce qui me manque là vraiment. En plus, c'est un pompe. Donc, si on chope ça, ce serait l'idéal. Dommage, là j'aurais aimé que ce soit quelque chose d'autre en mythique, mais pas des cartons. Ouais, non, les cartons. Bof, bof. Bon, c'est bon, les alliés ont l'air d'aller avec moi. Il faut qu'ils me suivent quand même, c'est principal aussi, hein. Alors je sais pas si c'est moi par contre qui vais choper là les katanas. Mais je suis chaud hein. Bon après s'il les prend, il les prend, on va les laisser. Hein. De toute façon on aura d'autres opportunités je pense pour récupérer l'une des armes des tortues ninja. Parce qu'en termes de déplacement ça peut faire la diff aussi. Mais vu que de toute façon on n'a pas de grappin pour l'instant. Faudra bien quand même un moyen de déplacement je pense. Hein. Ah mais là j'avoue si on peut accéder au coffre-fort, choper le pompe, on se mettrait vraiment dans de bonnes conditions hein. Mais il y a des ennemis, hein, ça le pire. Vu que là, il y a eu des points rouges. J'entends même les tirs, de toute façon. Bon, là, ça s'est arrêté, mais... Attention, ce n'est peut-être pas terminé. Ah, il fonce en plus, hein. Oscar. Attends, Oscar qui va affronter Oscar. C'est le multiverse ou... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu attaques ton propre peuple. Ah, c'est un bot, toi, encore. Oh, bah. Les fonds faire, hein. Enfin, les fonds faire. On va l'éliminer, mais vous comprenez. Ah, mais j'aimerais trop par contre choper son pompe, hein. Mais bon, je pense que c'est peut-être Oscar Rooney qui va le prendre. Ouais, on va le laisser aller, même s'il a beaucoup chopé là, hein. Ouais, il a vraiment tout pris, hein. Bah, bon, on n'aura pas le meilleur pompe, hein. On va le laisser à l'allié. J'espère qu'il en fera bon usage, au moins. Hein. Il y a plutôt intérêt. Ok, bon. Ça, pour l'instant, on n'a pas les confrontations les plus compliquées, sauf au début. Au début, c'était vraiment chaud, mais là, ça va. Ok. De toute façon, moi, ce qui m'importait le plus, c'est de pouvoir équiper mes propres accessoires, hein, même si, bon, le gros bonus, c'était quand même d'obtenir le pompe aussi, mais ça va. Avec un peu de chance, en plus, il y a peut-être un très bon pompe, là, qui traîne. Non? Ah non, il n'y a pas de pompe auto, malheureusement. Ça, c'est bien dommage, hein. 12 potions, non, hein. Il y en a qu'une de toute façon là. Ouais, il y en a qu'une. Faut pas le coup. Ah, il n'y avait pas des très bonnes armes, j'ai l'impression là par contre de disposer. On va rester avec l'Ascar. Bon, viseur point rouge, évidemment. On va plutôt opter pour le chargeur amélioré. Et après, poignée plus frein de douche pour un maximum de précision. Le fusil de précision, on va équiper la petite ACOG, le chargeur amélioré. La poignée avant inclinée, et pour terminer, le silencieux quand même pour un peu de discrétion. Après, bon, la mitraillette, c'est un peu moins d'importance, mais on va quand même mettre un petit chargeur amélioré, allez. Ah, je sais pas s'il se fait contre les gardes ou s'il y a encore des ennemis là qui traînent. Peut-être plutôt des gardes, hein, je pense en tout cas. Par contre, il a pas l'air d'être chaud pour se débarrasser du, du médaillon, donc ça veut dire qu'on va nous tomber dessus à un moment donné, hein, parce que bon, on va savoir où on est. Ça, c'est pas vraiment la bonne nouvelle. Moi, de toute façon, à chaque fois que je prends un médaillon, je m'en débarrasse, mais bon. Qu'importe, là, si je l'avais pris, tu vois, et que je m'en serais débarrassé, il l'aurait forcément récupéré, donc ça n'a rien changé, mais... Ouais, ça, c'est pas fou, hein. Il me faudrait des balles de snipe aussi, parce que j'en ai que deux. Pourtant, tu vois, pour les autres armes, je suis bien en termes de mun, mais là, pas terrible, hein. Et on a encore des ennemis, là, en face. Ouais, non, c'est chaud à cette distance, hein. Depuis le nerf,
des fusils de précision caler des balles à cette distance, c'est très très compliqué, hein. Oh mais attends, ça c'est un double... Ouh là 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 là. Ouh là là, c'est un double cercle de médaillons. C'est pas n'importe quoi là qu'on attaque. Je vous promets qu'à la base, je pensais que c'était des bots. Je disais, encore? Mais non, 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 ça c'est pas des bots, hein. Ils ont les médaillons. Ils ont l'air de galérer par contre à ce fight, mais si on peut intervenir... Est-ce que c'est vraiment... Oui, je suis eux, hein. Il peut pas y avoir un autre fight derrière avec les propres médaillons, donc non, ça doit être eux. Après, c'est peut-être deux mecs de la même squad qui ont deux médaillons distincts, hein. C'est le bordel un peu, non? La tourelle, attention. Oh là là, Oscar, tu joues avec... Oh, c'est bon. Bon, il a volé un peu mon kill, mais on s'en fout. On s'en fout tant qu'il meurt. C'est le principal. Les ennemis, je parle bien, hein. Et merde, et merde, et merde. Attends, ça arrive d'où, là? Ah, il y en a un derrière, là. Ok, c'est chaud, hein. Oscar, bordel, t'avais le pompe. T'as pas su faire la diff, là. Je suis désolé, c'est pas bon, ça, hein. Je sais pas combien il reste de joueurs. Oh, putain, il y en a un qui vient, là. Il m'a pas vu. Il y en a deux, en plus, hein. Il y en a deux, carrément. Ici, c'est la guerre, en fait, hein. Il y a tous les joueurs, hein. Ok. Je sais même pas combien il en reste encore, mais il en reste, hein. Même derrière, je crois que ça arrive encore. Ah non, non, non. Oh, bordel, ok. Ça, c'est de la grosse élimination. Ok. Mais il y avait combien d'équipes au total? Mais il y avait des bots, du coup, dans le tas, mais... Il y avait combien, quand même, d'équipes? Mais je crois qu'il y en a qui arrivent en face, donc attention, hein. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Mauvaise surprise. Ah bah il y a trois couronnes, il y en a une chacun. Oh oh oh, il y en a un qui vient de se faire snipe, je sais pas d'où ça venait ça, mais ouais, on va rester un peu sur nos gardes. Hein. Même si dans le tas, forcément, il y a des trucs sympas à récupérer. On va prendre un médaillon du coup, je pense, parce que bon, Lali il en a un, autant que nous aussi on en ait un. Hein. Dans tous les cas, on est détecté, donc... détecté pour détecter, on l'a fait à la wall again, hein. Ok, ah, il y en a encore un qui arrive là en face. Il va se présenter là, je pense. On pourrait peut-être le tenter au... Non, non, non. Ce serait trop imbu de ma personne de tenter une telle dinguerie au corps à corps. Je serais un peu trop confiant de tenter ça, tu vois. Il est pas là en plus? Mince, je pensais qu'il était derrière du coup. Ah, il est là, ouais, c'est bon. Oh, si j'ai envie de le tenter là. Ouais, j'ai eu mon kill avec les mythiques. Let's go! Phew! Je pense qu'il y avait du coup ouais une team de bots, mais tout le reste c'était des vrais joueurs, hein. Donc il y avait au moins quand même deux squads de vrais joueurs aussi, hein. Entre celles qui étaient avec les couronnes. Oh, est-ce qu'on prendrait pas... Si, on va prendre le fusil d'assaut, tiens, mythique quand même. Ouais, forcément ils avaient les armes mythiques avec, hein. Il y a tellement de stuff que je regarde quand même un peu ce qu'il y a, mais... Sniper, je sais pas. Non, on va garder la mitraillette, hein. D'habitude je joue pas MP5 en plus, mais là... On va dire qu'on fait une bonne game avec la petite MP5, donc je vais rester avec. Hein. Hop, et on aura donc les katanas de Léo pour compléter le tout. Alors les alliés, partez pas si vite. Je veux bien que là, qu'on ait peut-être un minimum de confiance après tous les kills qu'on a fait, mais il reste encore quelques joueurs dans la partie. Hein. Pas énormément par contre. Hein. C'est déjà bien vidé. Bon, cette tour, malheureusement, elle a déjà été faite. Enfin, on n'aura pas de tour. Hein. Attends, du coup, oh là là, le bleu là, il est parti. Et là, oh là là là, il y a un véhicule, donc il y a des joueurs aussi. Après, attends, là par contre, il y a peut-être un coup à jouer parce que... Ah, mais il part trop loin, tant pis. Parce que là, du coup, ils étaient que deux dans le véhicule. Voire peut-être qu'il était tout seul, parce qu'il n'y en avait pas sur le toit et qu'il n'y a que deux places dans l'octane. Là, pourquoi pas, hein. Bon, vite, faut rejoindre quand même Oscar. Mais là, après, on a encore un cercle de médaillons. Finalement, il est plus tué du coup. Parce que c'est les ennemis qui ont des calmes et ça fait un peu peur. Hein. Si on fait un 1v2, c'est pas terrible. Ah! Ok, ils sont descendus. Ou il est descendu, t'es peut-être tout seul. Mais là, j'avoue qu'après un début de partie pareil, bon, quoi qu'il arrive, ce sera une très bonne game, mais. Autant saisir le top 1. Hein. Oh, ce serait la première game de la vidéo. À 3. Ça donne envie, n'est-ce pas? Hein. Ah oui. Oh, derrière, oh putain, ah non, par contre ça, c'est pas bon du tout. Il a pris cher, en plus j'ai l'impression que l'un des alliés lui a calé une balle de snipe, non? J'ai cru comprendre. Ah mais ils sont en mode sniper en face. Et l'autre il est en train de rusher, mais... Calme-toi bordel, calme tes ardeurs!
Bon après là ça peut fonctionner parce qu'ils ont l'air d'avoir plus peur que bah, nous hein. Pourtant vu comment l'allié veut s'acharner, lui c'est sûr qu'il a aucune peur. Oh enfin, derrière. Ok. Oh, j'ai même pas pris beaucoup de dégâts en plus, tant mieux. Il n'y avait pas un autre au-dessus par contre. Non il était tout seul lui. En fait y en a ils se sont cassés, les autres je sais pas donc Ah si derrière là j'ai entendu, ça arrivait. Je sais pas les alliés combien ils en ont tué en plus, donc je sais pas combien il en reste. Mais il en reste. Dont un, ok, lui je l'ai vu. Oh let's go, ça l'a one shot, il a eu plus de vie. Ok, ok, on est bien là, on est bien. Parce que c'est peut-être eux la dernière grosse menace de la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux. Il y a eu deux secousses là? Attends, j'ai fait deux grosses attaques sans le vouloir de. Avec mes katanas, je crois, hein. Ça fait deux booms. Ah non, ouais. Ok, ok, très bien. J'ai même pas fait exprès. Hein. Ah, ils avaient également les couronnes, donc tu vois, c'était des bons adversaires à éliminer. Lui, on va prendre son pompe quand même. Meilleure rareté. Et il reste encore. Oh, ok, ok, ok. Là, je vais pas dire il y a un boulevard, mais il y a des possibilités. Il reste comme 5 squads. Pour seulement 11 joueurs, c'est-à-dire que c'est pas non plus des gros squads. Je pense même pas qu'il reste une squad de 4 dans la partie. Hein. Bon, par contre, faut assurer le coup là, il faut pas foncer dans le tas non plus, hein. Pas trop en tout cas. On a déjà 22 kills. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Heureusement qu'ils sont pas morts en fait, hein, les alliés. Hein. Surtout Oscar, parce que lui, il a vraiment foncé comme jamais et. Voilà quoi. Il aurait vraiment pu mourir. Hein. Non, j'ai cru qu'il y avait un moteur qui faisait vroom vroom, mais non, c'est la musique. Ah, par contre, ok, ça doit être du bot. Ou pas, attends, j'ai pris quand même pas mal de dégâts, là. Peut-être pas sûr, en fait, que ce soit réellement un bot. Mais ça l'était peut-être. Oh, par contre, c'est chiant, vu que c'est un mec solo. Ça fait une team en moins, déjà, donc aussi bien, il y a vraiment une team de 4. Ouais, il y a quand même 9-4, hein, ça va. Si du coup en plus nous on nous enlève, ça fait 6 joueurs. Eh, 3 squads de 6, pour 6 joueurs, non, oui, non, c'est bon. À moins que ce soit 2 mecs solo, sinon c'est au moins un groupe de 3, mais pas plus. Hein. Non, normalement c'est bon. On va pas être dans les mauvaises conditions parce que vas-y, combien de fois je me fais avoir. Surtout ces derniers temps, ça m'arrive beaucoup en section comblée. En mode. On est bien dans la partie. Et à la fin, malheureusement. Bah on est du coup en infériorité numérique parce que t'as un des joueurs qui s'est fait tuer, il a quitté ou même on n'a pas réussi à le réanimer. Et en face à la fin bah tu dramasses une squad de 4 et là vu qu'ils ont la supériorité numérique ça fait la diff. Ils sont pas forcément meilleurs hein, mais bon c'est la supériorité numérique hein, qui peut faire tout changer et basculer la donne. Hein, je vois il arrête pas de faire des kills, Pili deserve better, ça fait très pseudo de bot. Mais en même temps vu que je vois beaucoup son pseudo, genre c'est un bot qui arrive à enchaîner kill. Soit il a pris un pseudo vraiment mais parfait pour la saison. Soit c'est un bot. Hein. Mais à mon avis, il n'y a pas. Ok, de juste mieux. Il y a du monde dans cette direction. Et l'autre, il est. Il a trop se fight en fait. J'allais dire, il est resté sur place. Mais non, non, il se fight. Bon, il a l'air de gérer pour l'instant. Ouais, niveau vie, ça va. Mais on va lui apporter un peu de soutien là quand même. Hein. Bon, j'ai bien fait moi de prendre. Le petit fusil d'assaut là mythique hein. Dire qu'au début de saison je le détestais ce fusil d'assaut. Enfin, dans sa configuration mythique en tout cas parce qu'il y avait le ACOG, mais en fait, une fois que tu maîtrises bien le viseur ACOG, que tu sais où viser, c'est une dinguerie. Eh bah je crois que la dinguerie là. Ça va être surtout de faire le top 1, non? Parce que là attends, avec ceux qu'on a mis à terre, il reste pas grand monde. Il doit rester 2-3 joueurs même pas. Ah bah y'en a un là. Lui il est bloqué et voilà. Incroyable. Oh la game de fou. Let's go. Aïe 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 aïe. Et bah ça commence directement avec un top 1. C'est bon, on peut s'arrêter là pour la vidéo en plus. 30ème victoire couronne. Le timing. Mais non mais c'est bon, regarde, on peut s'arrêter là. J'ai fait une game à 27 kills. C'est incroyable. 27 kills, 4 assistances, la game de fou furieux. J'avoue après, il y avait comme. Quelques bots par-ci par-là, mais c'est pas moi qui décide. Mais il y avait aussi quand même pas mal de possesseurs de couronne qu'on a pu éliminer, donc il y avait plutôt un bon équilibre. Oh, la game de fou. Bon, maintenant il va falloir la garder, la couronne, et je suis pas sûr que ça soit possible. Au moins, si on arrive à trouver une partie cette fois-ci à 4,
ce serait pas mal du tout. Non, mais ça a tellement mal commencé la game. Parce que du coup, on était que 3 et qu'en plus, on avait perdu nos deux ailés directs et que j'ai su quand même maintenir le cap au spawn. Et après ça enchaînait, hein. Après, on était en roue libre. Eh bah, parfait, du coup. Grosse première game, mais ça va être compliqué de faire aussi bien pour les prochaines. L'objectif du top 1 est directement validé, mais maintenant, il va falloir réussir à garder cette couronne. Oh non, mais non, par contre, oh c'est bon. Oh, j'ai eu peur, là, je vois, on arrive, on est que 3. J'ai eu peur qu'on soit encore 3, hein. Pas cette fois. Allez, on va prendre ce défi, et ouais, maintenant la couronne, hein. Il va falloir la garder. Bon, la garder sur la fin, ça me paraît chaud quand même. Genre, enchaîner du coup un deuxième top 1 d'affilée, j'y crois pas trop. Mais rien que faire là une game, on pourrait faire pas mal de kills, une bonne survie, une bonne partie en soi. Ça me conviendrait de fou, hein. Mais bon, c'est pas encore fait, hein. Allez, on va manger notre petite pizza, je pense, pour nous préparer. Regardez, ma pizza. Et oui, je suis maître Splinter. Dégage la poiscaille. C'est ça, get greedy, hein. Tu vas être greedy, toi, à la fin de partie. On t'aura éliminé, c'est pour ça. Ah ouais, on a du, par contre, du super shredder avec nous, hein. Ça peut faire un combo. Bon, bah, vu que ça nous a bien réussi sur la première partie, je crois qu'on va à nouveau suivre les adversaires. Les coéquipiers. Ah non, par contre, si je les prends comme des adversaires, ça va moyennement le faire. Classique course en plus, parfait, ça me va. Allez, on y va. Je valide ce spawn. Je pense que s'il nous fallait là un spawn pour cette partie en voulant un peu garder la couronne, bah, ce serait classique courte, un spawn plutôt tranquille où il peut quand même y avoir de l'adversité. Non, ça tombe à pic. Mais attention quand même, hein, à pas mourir dès le début parce que normalement il y aura bel et bien des adversaires. Bah, on va faire comme lors de la partie précédente, hein, on va vite récupérer des bonnes armes, on croise les doigts pour que ce soit le cas, un peu de shield, et après place au combat. Hein. L'avantage au moins c'est que cette fois-ci on est bel et bien 4. Bon, je pense qu'il y a une team, s'il y a qu'une team ça va, tu vois, c'est une confrontation en mode 1v1 donc. On a toutes nos chances. Oh là déjà je vois un truc sympa. Il y a une arme rare mais surtout il y a la grosse potion en plus qui va avec. Ah ouais par contre. Ah c'est le pistolet tir auto-guidé. Je suis pas sûr que ça en début de partie soit très efficace. Hein. Mais bon. Je pense qu'il y a bien une autre arme. Attends déjà l'allié. Oh bon l'allié je crois qu'il est sur quelqu'un. Il a peut-être même pas besoin d'aide. Hein. Ouais non c'est bon. Ok bien joué super shredder. Ça fait du kill là j'aime bien ça. Moi aussi je veux du kill par contre. Où sont les adversaires là pour que je puisse m'en faire un ou deux là. Ah bah je crois que c'est bon hein. Ah mais ils viennent à moi si gentiment mais quel plaisir. Exécution. Voilà. Ah il y en a encore un. Oh je suis prêt à le verrouiller hein. Oh et ça la kill en plus magnifique. Le verrouillage mortel. Bon je vais pas dire que c'était des bots mais c'est possible que c'était des bots à nouveau hein. Quelle chance, quelle chance, quelle opportunité. Oh, par contre là, le pistolet lui, il va faire plaisir. On a également le pompe. Ouais, ça commence bien en vrai, en termes de stuff. Hein. C'est ma journée, je crois. Hein. On n'a pas forcément des armes de merde, là, donc... Et parfois, t'as beau jouer, genre t'es plus de la moitié de la partie, t'as encore des armes, mais de merde. Surtout si t'as pas l'occasion, en plus, de les améliorer en mettant tes propres accessoires. C'est la sauce. Hein. Mais là, je crois qu'on est plutôt sur une bonne veine. Ah, par contre, il me manque un joueur, il est où? Ah non, il est à côté, j'ai rien dit. Je l'avais pas vu, il était caché derrière le distributeur sur la minimap. Mais là, ouais, c'est pas dégueu, tout ça. J'hésiterais même, du coup... Attends, je suis combien de gold? Ouais, j'ai que 3000 de gold. On est sur les économies, peut-être. Mais on pourrait quand même se prendre... Ah bah... merci. Bah, super, bon, non, il n'y a pas besoin de faire d'achat, au final. Hein. C'est gentiment, si gentiment, du coup, offert. Oh, magnifique. Attends, il y a des poissons là en plus. Ils sont doux, je sais pas, mais... Ça aussi, ça va nous mettre full shield. Mais incroyable. Incroyable. Bon, va falloir quand même choper une meilleure AR. Parce que là, bon... J'aime bien hein, le fusil d'assaut exécuteur, mais là, on a qu'un viseur à coque dessus. Donc c'est un peu limite. Oh, par contre, attends. Moi, je veux bien récupérer le petit jus de flobet, là. On va prendre ça aussi, hein. Et on a du coup notre prime qui est dans les environs. Est-ce que ce serait pas le classique emplacement par ici? Oh d'ailleurs, attends, mais il y a des choses là. Il y a du stuff. Hein. Mais je pense qu'ils sont par là, hein, vers le lac. Même si là, on commence à être un peu au bord aussi de leur cercle de prime, donc... peut-être qu'ils sont à la gare. Hein. De toute façon, c'est soit la gare, selon moi, soit ici. Parce que la gare est dans... Ouais, enfin, c'est au bord aussi pour la gare, donc je sais pas trop. Hein. Faut pas qu'on se split par contre, hein.
Ça se splittait un peu en plus sur la game d'avant, mais bon, ça nous a jamais trop fait défaut. Mais quand même, c'est pas une raison pour le faire. Hein. Ouais, sinon c'est les montagnes, hein. Ça a l'air de décaler effectivement par là. Donc je pense que peut-être le bleu là est sur la bonne direction. Mais où sont-ils cachés? Ah ok, ça se déplace par là, donc non, ça doit être ça. Hein. Par contre là, je suis en train de monter. Oh, au pire, c'est bon, je peux redescendre, ça va, vu que j'ai le grappin, tout va bien. Tout va bien. Il serait peut-être ici, hein. Attends. Ça bouge. Ça bouge, et ça, je pense, c'est pas Pylonil, donc... C'est un adversaire, c'est une cible. Allez. Voyons voir ça un peu de plus près, avec le viseur. On voit pas grand-chose en même temps avec la neige, mais... Oh, j'ai vu quelque chose bouger, hein. J'ai pas rêvé. Après, attention, parce qu'ils sont 4, je vais pas non plus me jeter. Hein. Un peu d'aide avant, ça pourrait être utile. Bah, il y a eu du passage, ça c'est sûr, tu vois, t'as la porte ouverte, mais après... Où sont-ils exactement? Eh, mais on va devenir fou, hein. Je deviens fou, ils deviennent... Ah, ok, c'est bon, je l'ai vu. Je les ai vus, ils sont 2, 3, 4, ok, c'est bon, il y a tout le monde. Ouais, ça peut vraiment être des bots, mais je sais pas... Je vais pas m'y risquer en tout cas, mais ils sont là. Donc on va mettre quand même le ping parce que je suis le seul en fait à les avoir vus. Hein. Alors, ils traversent. On va peut-être intervenir. Hein. On va vite savoir comme ça si c'est des bots. Dépendant de leur réaction. Bah c'est où celui de devant, il est là. Oh j'ai un bon shoot là par contre alors qu'on a zéro poignée et compagnie. Genre il va bien caler les balles. Hein. Je crois que ça va être le viseur de la vidéo. Le viseur à cog. Hein. Parce que là, ça fait des petites dingueries avec... C'est pas une raison par contre pour que je ne chope pas autre chose en fusil d'assaut. Bon, ils ont rien de plus, je pense. Hein. Genre lui, c'est non. On va clairement pas prendre l'air avec... limite la SCAR, ouais. Non, mais je crois que je vais rester avec ça pour l'instant. Hein. Au moins, j'ai un viseur. Je pense que c'est mieux au moins d'avoir un viseur, mais... Zéro stuff, hein. C'est la tristesse, là. Bon, allez, on va monter. Je sais pas si de leur côté ils vont recruter le PNJ, mais... Ah bah si, ils l'ont déjà fait, ok. Sinon, moi, je m'en occupais, hein. J'étais chaud pour débourser ce coup-ci mon gold. Ouais, il serait là, je pense, à la gare, ouais. Ça a pas l'air de bouger. Et vu que, de toute façon, c'est un cercle de médaillons, là, c'est pas pareil que le cercle de prime qui, lui, s'actualise pas en temps réel. Donc là, on a quand même beaucoup plus d'infos, hein. Si bien, ils sont dans le coffre-fort. Oh, j'entends des tirs, non? Mais pas des tirs à droite. Ça du coup ouais, c'est le médaillon logique hein, de la Vichler. Donc, ça veut dire que l'un d'eux a le pompe. Hein. Je l'ai peut-être pas eu le pompe sur la partie d'avant, mais c'est peut-être l'occasion de l'avoir. Ok, sur le toit. Ouais, bon allez, hein, on va pas tarder. On va pas prendre notre temps. Ouais, déjà c'est un peu plus compliqué de caler les balles. Hein. Heureusement que je lui en ai calé quand même quelques-unes sur... Ouais, il y a sniper. Ce sont ses alliés par contre à lui là. Si bien il est tout seul, mais j'y crois pas trop. Hein. Ok, il y a le rose là qui le prend peut-être à dépourvu là. J'ai l'impression qu'il est tout seul. C'est vraiment un mec solo là qui dit oh, on va se faire du solo versus squad. Allez, c'est parti. On va constater parce que là de toute façon il est en mode fuite. Je sais pas ce qu'il a pour fuir. Il doit avoir les armes, enfin l'une des armes des Tortues Ninja. Il a l'air définitivement solo. Ou alors, ah oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une autre théorie. C'est qu'il a ses alliés plus loin. Et je trouve qu'il y a un deuxième... Ah non, ça c'est la prime. Ah non, c'est peut-être tout seul, je sais pas. Parce que la prime est bien sur lui en plus, hein. Comme par hasard. Mais vas-y, là, il est chaud pour partir. Hein, avec le... Il a la lame grappin, donc j'avoue, ouais. C'est chaud, hein. Ah, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il faut, un mec solo? Il est pas solo! Il est pas solo. Oh non. Oh la feinte. Ouais, donc il avait ses alliés plus loin. C'était plutôt ça, le... La vraie finalité. J'aime pas du tout ça, hein. Le fait qu'il fuit comme ça là, j'ai même pas une arme bien efficace pour la distance en même temps. Donc c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et là je sais pas où ils peuvent nous tendre une embuscade encore, parce que là on en a vu qu'un seul en plus encore sur le toit. Hein. Ouais ils sont split mais... Split bizarrement hein. Parce que t'as, regarde, t'as le Peter Griffin qui est là, t'en as un autre qui est au loin là. Ouais ça c'est encore un autre, donc c'est le troisième, mais ouais je pense qu'ils sont 4 de toute façon. Hein. Attention, attention, eux, ils pourraient clairement me gâcher ma game, quoi. Putain, il y en a derrière aussi, mais c'est quoi cette dinguerie? Oh, mais va... Mais... Oh, mais c'est chiant. Ils sont full split. À moins que c'est une autre team.
Bien, c'est une autre team, mais... Aïe, 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 aïe. Là, on est dans la sauce, hein. Toujours un mec dans le bac pour te mettre une balle, quoi. J'ai l'impression que c'est la même team. C'est la même team, par contre, c'est abusé, quoi. Les gars, ils sont aux quatre coins, là. Mais je pense que c'est vraiment d'autres joueurs, là, les deux, regarde, derrière. Putain, j'ai réussi à me casser, du coup, merci la bouche d'égout, mais... Oh, on fait des kills, attends, par contre. Bien joué, ça. Oh, mais y en a un sur le toit, aussi. Ils sont vraiment partout, hein. Attends, on va monter. Waouh, 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 mais... Mais lâchez-moi. Oh, ça devient très, très chaud, là. Plus ici, on est enfermé. Y a même pas d'issue. Je suis obligé de descendre comme ça à l'arrache. Moi, je suis pas tout seul, on est plus que deux, donc ouais, je sais pas. Hein. Et vu que l'allié est sur le toit, là, je suis pas sûr que je puisse le rejoindre. Hein. Oh non, mais fonce pas! Qu'est-ce qu'il fait? Oh le fou! Ah, mais ce qui me coûte un peu cher là, c'est qu'à ce stade de la partie, tu vois, je suis encore avec une AR trop peu efficace. Hein. Combien de teams ici? J'ai l'impression qu'il y a des teams de partout là. Ça arrive en plus. Ok, toi tu meurs. Courageux de me rusher comme ça, mais bon. T'avais pas beaucoup de vie. Hop. Ouah, s'il pouvait avoir un petit kit de soins, ce serait pas de refus. Ouais, c'est ton Dax, hein. Ah, c'est bien, on a eu un début de partie tranquille, mais là, c'est plus tout tranquille, hein. Faut vite que je rejoigne l'allié, au moins, et limite, on se casse d'ici, parce que je suis pas chaud pour continuer, hein. Là, je sais pas encore combien il reste de team, mais... Bon, il en reste au moins une, de toute façon, assurément. Il est dans le coffre-fort, non? Je pense que le coffre-fort est ouvert. Il y a peut-être un kit là-dedans. Ouais, il est ouvert. Un petit kit? Oh non, même pas. Mais attends, on va quand même vite en profiter pour équiper des accessoires peut-être un peu plus viables pour mettre vraiment plus de chance de notre côté. Pistolet, je vais enlever le viseur parce que ça, limite, ça me gêne plus qu'autre chose. Et ouais, ce qui est gênant du coup, c'est de ne vraiment pas avoir de kit de soins parce que là, vraiment, niveau PV, c'est la sauce. Hein. On devrait plutôt tenter de réa l'allié et puis basta en vrai, parce que l'allié a pas non plus de vie en plus. Il y a des kits là-bas. Oh, attends, il faut que j'aille chercher le kit. Il y a un kit chacun là. Bah oui, ok, c'est une capsule. Il y a de tout en plus, c'est une grosse potion du coup. Il y a vraiment, ok, c'est la fête. Ok, ok, c'est pas perdu encore. Hein. On n'a pas dit notre dernier mot. Oh, et il nous fait un lancer idéal là. Comme ça, on n'a même pas besoin d'y retourner. On a de grosses potions. Merci bien. Incroyable allié. Ok, en vrai, de toute façon, en termes de réa, on va sinon dans la forêt, hein, à Rebelle Roost, et on le réa tranquille, là, hein, il y aura personne, hein. Il doit pas rester grand monde, du coup, il y avait le Peter Griffin, là, mais je pense qu'il y a eu des pertes. Putain, l'allié, mollo. Putain, la barrière, dommage, elle nous a un peu gâché nos tirs. Oh là là. Il a pas l'air de vouloir lâcher le morceau, lui aussi. Ça se voit, l'allié est pas mauvais, donc bon, on peut peut-être faire un truc à deux, mais il a plus de vie à nouveau. Hein. Il a vraiment pris très très cher, alors que moi ça va. Oh putain, il y a une autre team là-bas. Non, il faut qu'on aille réa, hein. Définitivement, là, faut se casser. Hein. Et genre, on a même pas besoin d'aller loin, on va aller là-bas. Moi, je vais aller là-bas, j'espère que l'allié va me suivre, mais faut réa, là. Vite, vite, vite. Pire, c'est qu'il reste encore 17 joueurs, hein, donc il y a encore du monde. Mais waouh, tant d'axes, hein, la défense de cette couronne. Moi, c'est un miracle vu les situations que je suis même pas mort. Putain, j'ai réussi à survivre avec très peu de PV, là, ouais. Moi, ici, c'est bon, normalement, il n'y a personne. Hein. Ouais, par contre, oh non, il y a les gardes du corps qui vont arriver. Non. En même temps, je savais qu'il allait se ramener, lui, c'était évident. Le garde du corps. Hein. Sauf s'ils étaient fait éliminer au préalable, mais c'était pas le cas. Et limite, en plus, là, il peut se stuff avec la carte.
Attends, on va ouvrir pour lui le petit coffre-fort là. Hop. Au pire, il va sûrement prendre ma grosse potion, non? Que j'ai drop. Oh non, il l'a même pas pris. Moi, je la récupère. Hein. Va dans le coffre-fort, mon petit alien. Il y a un cadeau pour toi. Moi, je lui laisse, hein, de toute façon. Moi, j'ai de quoi déjà me défendre. Par contre, l'autre, il est toujours pas revenu. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Il est sur le toit, ouais. Ah, c'est le contraire de la partie d'avant où ça enchaîne les kills de partout, là. Non, ça n'enchaîne pas les kills. Ça essaye juste de survivre. Mais à un moment donné, de toute façon, si on veut aller un peu plus loin, il faudra faire des kills, je pense. Hein. Et il est encore dans la tempête, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pas l'air mauvais, mais il a des décisions bizarres, quand même, hein, le joueur bleu, là. Hein. Genre, mais quitte la vie chère, là. Il a pas envie de quitter les lieux, j'ai l'impression. Alors, il veut y rester coûte que coûte. Est-ce qu'ils sont encore sur la montagne, hein? De toute façon, là, ça se fight. Il reste combien de teams? Il en reste 4, dont nous. Mais là, je crois que c'est les. Ouais, il y a tous les équipes médaillons qui se confrontent. Bon, après, je pense qu'il y en avait que deux des équipes médaillons. Mais là, c'est lancé, hein. C'est pour ça qu'on peut peut-être en profiter qu'elle ait des petites balles là. Faire pencher la balance. Ok, ouais. Là, on est vraiment sur la fin de partie. Hein. J'ai peur, par contre, qu'il reste un mec solo et du coup, on va se retrouver face à une équipe de 4. C'est exactement ce que je disais, tu vois, lors de la partie précédente. Ouais, je suis trop loin de toute façon là. Aïe 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 aïe. Et en plus il a un snipe donc trop chaud. Je suis sûr que c'est un mec solo le dernier. Ça pue. Ça pue, ça va être une squad de 4 contre nous là. Après il galère beaucoup pour un mec solo hein. Ah bah si, c'était bien un mec solo. Juste qu'il avait une couronne, donc ça va. Il pouvait se défendre, on va dire. Oh non, rush pas, rush pas, rush pas. Non, je suis en train de leur mettre des dégâts, là, en plus. Moi, je m'en fous, je reste à distance, hein. Oh, après, quand même, faut y aller, hein. Oh, bien joué, ça. Oh, bien joué, ça. Oh, ça va faire un deuxième top 1, je crois, hein. Mais j'ai que 5 kills, ça m'énerve. Il en reste plus qu'un? Non, il en reste deux encore. Je suis peut-être un peu enflammé. Ok, ok, ok. Oh, la poisse Sky Cartoon en plus! C'était écrit! Elle est partie où? En arrière ou en avant? J'ai même pas fait gaffe. Elle a pris très cher et je sais pas où est le deuxième par contre. Ah, ils sont... J'ai même pas vu. Ah si, là! Ok. Ok, 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 il y a la tortue. Ah, mais ils ont la zone. Ah, mais là, si on y va calmement, normalement, c'est gagné, quoi. On a la supériorité numérique. Faut juste pas faire d'erreur, là. Hein. Bon, ils sont quand même le sniper aussi. Lui, il va être redoué à souhait. Oh, putain. Et merde. Vite, la réa, la réa, la réa, la réa. Sale petit sniper. De toute façon, ils vont pas nous rusher, je pense pas. Hein. Moi, je suis dans la merde, hein. Ah, c'est pas ma game! Je me tape des assists, je sais pas au coup de qui. Là, la balle de snipe comme par hasard, one shot. En même temps, il y avait que ma tête qui dépassait, donc tu m'étonnes. Oh, le pompe par contre. J'avais pas le temps de le prendre, tant pis. Le pompe donnait envie, hein. Bon, on va faire gaffe du coup à Mister. Ah, mais en fait, j'ai rien dit, ils ont pas la tempête! Elle est dans l'autre sens, hein. Oh putain, il va être chiant le sniper. Vraiment, j'aurais été full confiance s'ils avaient pas un sniper parmi les deux joueurs restants, mais là, c'est lui qui va vraiment tout saucer. Hein. La poiscaille là, elle me fait peur. Hein. Ok, ils sont. Putain, là, ils sont en contrebas, ils sont en contrebas. Ils sont où exactement en contrebas? What? Ils sont derrière. Ah ouais, ils doivent être derrière le rocher. Et lui on peut pas le détruire de toute façon je crois. Et la zone. Ouais de toute façon c'est bon, ok on a la zone, on a la zone. Si on se prend pas des gros enchaînements au snipe, normalement c'est gagné là. Hein. Ils seront obligés de venir vers nous. Ah ok c'est bon, en plus ça bouge, c'est le moment. En vrai on en élimine un et après.
C'est la victoire qui nous attend. Let's go, le shoot a été parfait, c'est bon. Deuxième topin d'affilée. En mode survie cette fois-ci, on a fait une game en mode savage, en mode élimination à tous les sens, mais là c'était la game en mode survie. Et ça fait deux topins d'affilée. Voilà, deux topins d'affilée, c'est offert par la maison. Deux topins couronne en plus, c'est également offert par la maison. Quel enchaînement de bâtards, hein. Je n'ai que ça à dire, hein. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est bien, limite, tu vois, c'est que c'est une game vraiment, mais complètement à l'opposé de la précédente, hein. Mais on a su survivre, bon, à part la balle de snipe qui m'a mis à terre une fois. Mais en vrai, être à terre une seule fois par rapport à tout ce qui a pu se passer sur cette partie, c'est quand même à la limite du miracle. J'ai même pas regardé le nombre d'assists que j'avais, parce qu'on a dû faire quand même beaucoup d'assists au-delà des 6 petits kills. Mais bordel, c'est fou ce qui se passe aujourd'hui, c'est fou, hein. Bon, on va se faire de toute façon maintenant une dernière partie, il reste plus qu'à faire ça, mais si on termine avec à nouveau un top 1, je n'aurai pas les mots. Mais là, vu où on en est, autant garder la couronne jusqu'à la toute fin et ce serait le meilleur scénario possible. Encore et toujours, j'ai une couronne à garder en ma possession et encore et toujours, j'ai l'impression qu'on sera que 3. Ah bah on a eu notre partie à 4 en même temps, maintenant retour à 3, hein. Je suppose que c'est à peu près ça le deal. Ouais, ça doit être ça. Eh mais ce serait vraiment fou là si on arrivait à nouveau à l'emporter, mais plus les parties avancent, moins j'y crois. Effectivement, en même temps la probabilité est en train de diminuer à vue d'œil. Où va-t-on aller du coup cette fois-ci? Enfin, à la limite je serais chaud pour aller plutôt à un spawn cette fois-ci qui me convient le plus possible, c'est-à-dire Riddy Riviera, mais est-ce qu'il serait prêt à me suivre? Là, s'ils sautent pas, je vais pas sauter, tu vois. Ouais, ils ont pas l'air de sauter. Ah, malheur de malheur. Ah si, ils sautent. Ils sautent avec un peu de retard, mais on va arrêter Riviera. Ah, du coup, je crois que c'est bon. Ok, nickel. Ah, il vaut mieux opter pour ce genre de spawn. En plus, il semblerait qu'on ait la tour. Donc, ouais. Ça nous aiderait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah, il faut espérer quand même qu'on ait un bon allié avec nous. Parce que bon, ça a fait la différence sur la partie précédente. J'étais pas si mauvais, on va dire, quand même, sur la première partie aussi, hein. On formait un bon trio, même si, bon, il y en avait un, il était un peu trop énervé au niveau des kills, mais sinon, ça allait aussi, hein. Oh, par contre, non, mais ils vont à la gare, là. Merde. Ah, mais non, mais... On se replie, hein. Repli stratégique, là. Oh non, mais il gâche tout. Oh, vas-y, spawn de la gare. Non, mais qu'est-ce qu'on va foutre à la gare? J'aime pas ce début de partie, hein. Que Riddy Riviera, c'était le plan parfait. Bon, il y avait des adversaires, mais on aurait pu les confronter. Là, je sais pas, la gare, bof bof, hein. Bon, même si on peut y recruter le maître des grenades, qui est parfois quand même très très abusé, selon les situations. Mais ça va peut-être pas être suffisant, hein. On chope déjà un bon pompe, ça c'est cool. Les flobets. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième coffre? Je vais quand même aller jeter un coup d'œil, hein. De leur côté, mais je serais chaud d'attaquer ceux qui sont à Riddy. Hein. J'ai pas envie de les laisser eux. Hein. Surtout, du coup, on sait déjà où on pouvait aller pour finalement confronter des adversaires. Donc là, l'occasion est un peu trop parfaite. Hein. Ils m'attendent là avec la voiture. Moi, je monte uniquement si on va à Riddy Riviera. Hein. Moi, j'ai envie quand même de juste avancer un peu. De toute façon, je pourrais pas les confronter à distance vu que j'ai pas d'air. Donc, faut juste un peu checker, tu vois, ce qui s'y passe là-bas. Il y a des tirs quand même. Donc, il y a deux teams. Ouais, mais connaissant, tu vois, le spawn, ça peut vraiment être des bots. Hein. Si c'est des bots, de toute façon, on peut se les faire en solo, ce sera pas un souci. Hein. Et même si c'est des vrais joueurs, on peut se les faire en solo, mais c'est beaucoup, beaucoup plus délicat. Hein. Faudra parier sur le fait qu'ils ont pas de stuff, en fait. Ce qui est possible, vu que c'est le début de partie. Ah, ok, on a une AR. Ah, là, ça peut tout changer. Il y en aurait un, ou alors c'est le garde plutôt que j'entends, là, parce que j'entends des bruits de pas, mais je sais pas si c'est le garde. Ou si c'est un joueur. Ah là si, c'est plutôt un joueur, non? Il donne des coups de pioche, attends. Ah oui. On a vu Eleven, hein, au-dessus. Bon, je l'ai très bien vu, en tout cas. Hop. Voilà. Moins 2. Moins 3. Et c'était des bots. J'avais raison. J'avais raison de partir en mode confiance. Parce qu'il y avait de quoi être confiant. Bon, le dernier par contre, bon, pour l'instant ça ne m'intéresse même pas, on va juste aller récupérer les armes qui sont ici.
Du coup, évidemment, elles n'ont pas été récupérées. Oh, par contre, pas terrible, hein. Il n'y a que de la mitraillette et un pompe. Oh, c'est pas foufou là ce qu'on nous propose. Et le dernier, il s'est ramené entre temps. Peut-être qu'il va tenter une réa. Et là, du coup, c'est le piège. C'est l'embuscade de mon côté. Non? Pas d'embuscade encore à prévoir? Que c'est triste. Après, ils avaient du stuff un peu quand même. Hein. Bot ou non, ils avaient du stuff. Eh, mais le dernier, introuvable. Hein. Ah, ben voilà! Il était temps. Par contre, je perds un peu des PV inutilement juste parce que je m'amuse avec mes sailles. C'est pas très malin. Hein. Ok, ça c'est bon. Alors, je pense du coup que le garde, il n'a pas été éliminé normalement. Et les alliés, ils sont où? Oh, la catastrophe. Ok, hein, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, c'est une catastrophe. Faut dire les termes, hein. Mais là, j'ai l'impression que on est parti sur du solo versus squad hein, pour cette game. Hein. Et encore, pour l'instant, par miracle, aucun n'est mort. Mais chacun est de son côté, comme jamais vu. C'est ouais, c'est la cata. Hein. T'en as un qui est encore à la gare, l'autre il a pris le train. Mais il a abandonné le train entre temps. Et t'as la prime. Oh, par contre, la prime. Je dis ça, je dis rien, mais elle est clairement au spot des bots. Hein, donc ça doit être vraiment un bot. C'est presque sûr ça. Hein. Oh, y a même pas de chargeur amélioré là avec le pompe par contre. Oh, déception. Par contre, on chope une bonne AR. Ok. Ah bah, on aura fait 3 parties, mais à chaque fois avec 3 AR différentes. Hein. Parce que du coup, après l'Ascar et après le fusil d'assaut, c'est le rival, hein, je crois qu'il s'appelle, l'autre. Hein, qu'on a utilisé sur la partie précédente. Ah bah là, cette fois-ci, on a l'exécuteur. On aura vraiment tout fait. Mais on pourrait trop aller à la. Ah, quoique. J'ai peut-être changé d'avis concernant la Vichler. Il est petit en plus là, le cercle, non? Ils auraient pas déjà 3? C'est sûr, ils ont 2 médaillons, mais ils ont peut-être même 3. En plus, c'est le même mec qui porte tout. Et l'allié, il est dans la sauce. Bon, attends, on va y aller. Je crois que limite, le meilleur plan, au final, c'est juste d'attendre l'île du butin. Et ben voilà, il est mort. Oh, ouais. En plus, lui, je vois son pseudo depuis tout à l'heure dans la feed. Ce qui n'est pas bon signe. Mais s'il a tous les médaillons, parce qu'attends, il y a combien de médaillons qui n'ont pas été récup? Il y en a 2. Donc, il en a potentiellement 3 sur lui. Mais c'est fou, par contre, qu'un seul joueur est... Ah, bonjour. Qu'un seul joueur et 3 médaillons. Comment ça se fait qu'ils ont pas split? C'est bizarre ça. À moins que ce soit un mec qui fait du solo versus squad. Hop. Mais je sais pas, je suis tenté hein. Enfin je suis tenté parce que on est à un stade de la partie où il n'y a plus rien à perdre, on est plus deux, mais en même temps. J'ai ma couronne à garder. J'ai ma couronne, faut pas l'oublier. Qui me donnerait même pas envie d'aller trop rush. Ah bah on le voit là-bas. Ok. Ouais, il y a un véhicule donc clairement il est pas solo. Hein. Non, c'est trop dangereux. Cela qu'importe en fait, ils sont 4, on est que 2. Le plus serein limite à faire, c'est juste d'aller chercher la plaque, mais. Les confronter eux? Ah, j'avoue qu'il faudra bien les confronter à un moment donné. Je pense pas qu'on aura cette chance qu'ils se fassent éliminer par quelqu'un d'autre. En plus, il y a encore des ennemis qui sont restés là. Oh attends, par contre, s'il y a une opportunité en mode ils sont split et là t'as 2 mecs et les 2 autres sont partis autre part. Pourquoi pas? Je sens qu'il y a encore du fight aussi au niveau de la Vichler. Attends, en vrai, la vraie menace pour moi c'est ceux qui étaient en face. Hein. Ça, ça a l'air juste d'être des bots, mais bon, ça ferait des kills, mais attends. Faut quand même focus la vraie menace. Bon, déjà toi. On sauve la mise. Ça, c'est fait. Et du coup, normalement, ils sont vers la gare. Hein. J'ai cru les voir partir en cette direction. Après l'un d'eux. Ils seraient pas attirés, justement, là, par le fight, même pas? Oh, regarde, regarde, ça, c'est pas un bot, en plus. Je suis sûr de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont deux. Il est où, le deuxième? Ah, il est là. T'as rien, par contre, mince. Ah, mais je crois que c'est une team entière, hein. Je pensais qu'ils étaient que deux, mais... Ah non, c'est l'allié qui réa. Ah, je crois que c'était l'un d'eux. Bon, j'ai peut-être rien dit, je sais pas. Ah, ils sont partis là-bas. Ok, tranquille. Et le deuxième, il va tenter quelque chose. C'est-à-dire une réa. Ok.
Ouais, ce serait vraiment le scénario rêvé que bon il fasse partie de la team de l'autre là, de l'acharné au médaillon, mais je pense pas. Je pense que c'est une autre team. Il y a lui d'ailleurs qui arrive aussi. Ah, mais il faut vraiment un viseur, quoi. Parce que là, on pourrait mettre des balles, mais de Savage. Le souci, c'est que bon. Ah, mais il y avait une couronne, lui, hein. Mais le souci, c'est que là, bon, on peut pas, hein. Ah non, tu vois, c'était qu'une team de 3. Bon. Au moins, ils sont éliminés. Et surtout, ils avaient du stuff, hein, aussi. On va prendre l'air, je pense. Hop. Là, ça me paraît vraiment compliqué de passer sur. Sauf via l'île du butin, mais sinon de passer sur un changement d'accessoire. Ah, mais Lali, il a quitté l'autre là qu'on voulait réa. Aucun effort. Nous, on est là, on veut l'aider et tout, et lui, il nous abandonne. Surtout que c'est lui finalement qui a tout abandonné dès le début en partant de son côté. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, encore, mais vas-y, mais il y a du monde partout là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah non, c'est en plus c'est un PNJ. C'est un PNJ donc. Je sais pas où sont les mecs qui vont activer le PNJ, mais. Comment ça se fait que ouais, il y a un PNJ là? Bon, je sais pas. Et du coup, ouais, les possesseurs de médaillons, ils sont où là? Oh putain, tu vois, le cercle est vraiment petit, mais il a récupéré. Oh putain, il a tout récupéré. Hein. Non, mais là, je crois que ça va être très, très, très compliqué d'enchaîner avec une nouvelle victoire parce qu'avec tous les médaillons, ça va être un tank. Même si, bon, vu qu'il est tout seul à les avoir, les médaillons, en vrai, soit du coup, on l'élimine d'office, on se débarrasse de la menace, il reste plus que ses alliés qui ont rien. Soit le contraire, on se débarrasse de ses alliés qui ont rien, il resterait plus que lui. Pourquoi pas, il y a un monde où ça peut passer. Mais c'est chaud quand même, hein. Parce qu'il a tous les médaillons sauf du coup celui de Grand Glacier. Et il risque pas de le récupérer au moins. Oh putain, il l'a. Attention. Attention. Tout seul, hein. Comment il sait qu'on est là par contre? Ok, l'allié, je pense que l'allié est au courant, qu'il est dans le buisson, il a dû voir. Ah non, il est parti? Oh, je crois qu'il est parti, oui. Ah, il est là. Mais il est vraiment solo, du coup le véhicule c'était pas sa squad. Putain, il y a un coup à jouer, hein, du coup. Où il va? Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi qui se tape une réa là. Ah, mais lui, faut le garder de près, hein. Pour moi, il y a un coup à jouer, hein, en mode surprise peut-être. Parce que ces médaillons serviront à rien si on le one-shot, hein. C'est pour ça que. Tout là, s'il va dans la tempête, encore plus un coup à jouer parce que c'est. Mais attends, mais il était avec eux? Non, c'est pas possible. Ok, vas-y, il va utiliser ses trucs comme ça, on va pouvoir le plomber. Parti, allez. Oh oui. Non! Faut pas qu'il s'échappe. Oh, super, le bot ne l'a clairement pas intercepté. L'avantage, c'est qu'on sait en temps réel où il est, hein. Mais le désavantage, c'est qu'il peut se réa en illimité. Et quasiment full. Non, l'allié. Oh, il gère. Non, il a pas géré. Pas jusqu'au bout en tout cas. Il a dû y mettre des dégâts de fou. Putain, il me saoule, hein. Oh, vas-y, non. La balle de snipe. Si le bot peut lui mettre des Semtex, ce serait l'idéal, hein. Oui, il va se casser. Je crois qu'on est parti sur une traque. Hein. Là, c'est pas la traque au topin, c'est la traque à l'adversaire. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pas le moment. Ah, et là, on était pas loin de l'avoir. Hein. Il manquait pas grand-chose. Hein. Mais ça veut pas dire que c'est fini. Et reviens en plus. Let's go! Allez, ça dégage. On prend les médaillons, je m'en balèque. On va jouer en mode full médaillon. Oh let's go! Oh let's go! Ça c'est bon! Donc c'était vraiment un mec qui faisait du solo versus squad, hein. Oh bah tiens, derrière. Ah non, par contre, commencez pas à tous vous ramener maintenant. Hein. Bon, maintenant je suis la cible à battre, hein. Vu que j'ai réchauffé les 4 médaillons, je crois. Hein. Je crois que l'allié il a rien récup lui, hein. Il a récup les armes donc. Moi limite j'aurais préféré avoir les armes que les médaillons, mais qu'importe, hein.
ça nous fait une revive de 80 PV du coup, les 4 médaillons. Je crois que c'est ça. On peut prendre en plus ça aussi. Ah bah attends, le kit. Finalement là on s'est débarrassé peut-être de la plus grosse des menaces. Même si il était solo, donc tu vois c'est difficile à dire, mais là quand même c'est un gros coup hein. Et j'ai... Ah non, je veux voir les médaillons, je veux pas faire d'emote. Pourquoi je me trompe à chaque fois de touche? Ok, on a bien les 4 médaillons, ouais. Ça sera bien utile. Ah, tiens. C'est une team... Regardez, c'est une team de Bambi. Ça faisait longtemps que j'avais pas d'ismo d'ailleurs. Alors toi. Ah non, 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 non. Avec la chance que j'ai, je vais me prendre une tête. Putain, mais on lui a mis 2 balles de snipe, il est pas mort, je suis dégoûté. C'est quoi cette non-réussite? Oh, ils vont nous rush, hein. Ils vont nous rush. Ils me rush déjà. Ok, moins 1. Par contre, mon pompe, je le recharge là. Vite fait, bien fait. Ok, déjà moins 1, ils sont plus que 3. L'allié, s'il te plaît, ne meurt pas. Je crois que c'est des vrais bambis. Au début, là, en voyant une team full bambi, je me suis dit, eux, ils sont en train de nous troll là. C'est pas des bambis. Mais je crois que si. Je crois que c'est vraiment des vrais bambis no skin. Par contre, attends, mais il y a 2 teams là. Oh ouais, oh ouais. Oh non, c'est pas bon ça. Enfin, il y a 2 teams, il y a toutes les teams même, peut-être. Hop, on va fuir de ce côté-ci, loin des adversaires. Il y a tout le monde, il y a des tourelles en plus. Oh, épargnez-moi. Bordel. Ok, c'est bon, on est à peu près sauvé ici. Et en plus, on peut même monter ici, limite. Il y a tout. Mais oui, il y a tous les derniers joueurs ici, du coup. C'est la fin de partie. Ok, go. Ok, go. Oh, mais il reste la team Bambi, je crois. Il reste plus qu'eux. Il restait le dernier. Oh, le shoot pour le dernier. Il est le top 1, let's go. Oh là 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 là. Et ça termine avec encore un top 1, cette couronne. Je l'ai pas lâché. Voilà, je l'ai pas lâché. Incroyable. Incroyable. Quel scénario de fou furieux, on termine du coup avec 20 kills avec la team de Bambi pour terminer. N'a aucun sens. Et je pense vraiment tout s'est joué sur la track de Monsieur Médaillon, celui qui avait tous les médaillons là vraiment. Je pense que ça s'est joué sur sa track. Hein. Bah, en même temps, s'il nous éliminait, c'était une fin de partie. Mais en l'ayant éliminé, ça m'a donné quand même pas mal de réussite. Après, tu vois, finalement tous les derniers joueurs étaient au même endroit, donc c'était vite fait bien fait aussi. Hein. Mais vraiment une dinguerie cette vidéo. Je crois bien que la puissance de Maître Splinter nous a accompagnés durant ces 3 games. C'est quand même incroyable de faire seulement 3 parties et qu'au final je vous propose ces 3 parties parce que c'est 3 top 1 d'affilée. Vraiment, en plus de 370 vidéos sur Fortnite Battle Royale, je crois bien que c'est la première fois en section comblée comme ça, je vous propose un sans faute avec que des top 1. Non, il me semble que c'était jamais arrivé. Hein. C'était arrivé, tu vois, en solo versus duo, mais c'est pas du tout la même chose. Mais là, vraiment, en section comblée, que ce scénario-là arrive, j'y crois pas. C'est l'aboutissement, on fera jamais mieux du coup, au final, c'est impossible là de faire mieux, sauf si on fait des games encore plus folles. Mais en tout cas, le résultat des 3 top 1 d'affilée, non. Impossible de le surclasser, donc de la pure folie. Le pire d'ailleurs, c'est que la semaine prochaine, j'ai prévu de vous proposer justement du solo versus duo. Donc ce sera peut-être l'occasion encore une fois de caler 3 top 1. Et en soi, c'est vrai qu'en solo versus duo, je serais beaucoup plus confiant pour les faire, ces 3 top 1 d'affilée. Là vraiment, en lançant cette vidéo, bon, j'imaginais bien qu'on allait faire un top 1, comme à chaque vidéo sur Fortnite, ça c'est le classique. Mais en faire 3 d'affilée en lançant seulement 3 parties en plus, non, jamais, jamais, jamais. Donc on verra comment que ça se passe la semaine prochaine, si on est autant dans la réussite, avec à nouveau peut-être 3 top 1, et surtout 3 top 1 d'affilée, et 3 top 1 couronne, hein, tout s'enchaîne. Mais là déjà, pff, quel scénario de fou furieux, le scénario vraiment parfait pour une vidéo Fortnite en section comblée. Et ben là, il y a vraiment intérêt du coup que cette vidéo vous ait plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de commentaires et de partages. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve
très très vite, du coup, pour d'autres vidéos, que ça soit sur Fortnite ou sur d'autres jeux la semaine prochaine, du coup, pour du solo versus duo. Allez, bye, tout le monde. Oh oui, yeah.